Pour notre prochain numéro, nous accueillons la chanteuse et celle qu'elle a piégée, l'animatrice Isabelle Raticot et Ima. Ah, les filles! Vous entendre parler beauté, parfum, vêtements, mode à la radio, je trouve ça parfait, moi. Oui. Ou même, à la limite, musique, hein, Isabelle, puisque oui. Ima et toi, vous aimez la musique. Alors, voici ce qu'il m'a fait en entrevue lorsqu'elle donne la priorité aux céréales. Aujourd'hui, notre complice, l'attaché de presse d'Ima, a mis à l'agenda de la chanteuse une entrevue en direct sur l'émission du retour, animée par Isabelle Raticot. Ima n'a aucune idée qu'elle va me croiser sur son chemin et réaliser son entrevue en état hypnotique devant notre piégée Isabelle Raticot. Bonjour Ima. Comment ça va? Ça va bien. Merci Mère le fascinateur, tu te souviens de moi? Mais oui. C'est aujourd'hui qu'on va tourner ensemble. Ah oh non. C'est toi qui seras sous hypnose, sous mon contrôle et on va piéger Isabelle Raticot. Je suis nerveuse. Donne-moi une main. Là, ici. Regardez-moi. Prends une grande respiration. Ferme les yeux. Votre tête est lourde et pesante. Tête lourde et pesante. Vous commencez à dormir. Vous dormez. Fou. Dormez de plus en plus, de mieux en mieux. Tête lourde et pesante. Vous vous sentez merveilleusement bien. Dans un monde de rêve et d'imaginaire. Avec le 2, dormez. Ima, dans quelques minutes, vous serez en entrevue à la radio avec la populaire animatrice de Rouge FM, Isabelle Raticot. Des caméras ont été installées à l'insu d'Isabelle pour capter cette entrevue. Isabelle n'a aucune idée qu'elle va interagir avec une personne en état d'hypnose. Alors évidemment, elle s'informera de votre carrière, de votre nouvel album, de vos projets. Mais de votre côté, vous avez une grande nouvelle à lui annoncer. Vous êtes maintenant la porte-parole des céréales Fruit Loops. Tout ce qui vous intéressera sera de parler avec passion en entrevue de vos céréales préférées. Pour le reste de l'aventure, grâce à l'oreillette placée dans votre oreille, je vous guiderai en état d'hypnose. Attention, Ima, vous allez vous éveiller comme si de rien n'était. On ne s'est pas rencontrés aujourd'hui. Maintenant. Bonjour, Gojo. Ça va, toi? Ça va bien. Ah, t'es belle. Ben, merci, toi aussi. J'ai fait tes cheveux. Oh, oui, change tout. C'est nouveau, hein? Le blond? Ouais. Ouais. Le blond droit aussi. Ah, ouais, mais change ça, ça dépend des journées. Nice. Fait que toi, comment tu vas? Ça va bien. Vous êtes dans sa cabine de l'été à Rouge FM. Saviez-vous que au Japon, il y a une patineuse artistique qui s'appelle Mao Asada, a choisi une chanson d'Ima pour une de ses chorégraphies. Et là, je trouvais ça tellement extraordinaire que je voulais absolument parler à Ima. Alors, bonjour, Ima. Bonjour. Hey, sayonara. Oui, parce que là, tu arrives du Japon. Oui. Elle ne savait pas que tu allais être là. Est-ce que tu chantais? Non, c'était une surprise. Okay. Puis écoute, c'est ça. Là, ça a été un magnifique voyage. Puis quand je suis revenue du Japon, j'ai eu une grosse nouvelle. Je suis devenue porte-parole de Fruit Loops. Pardon! Je sais, c'est super fucké. Mais voyons! Mais c'est vraiment hot, là. C'est extraordinaire. Écoute, moi, là, j'ai... Tu sais, j'ai un petit côté grano, là. Oui. Puis pour moi, c'était pas nécessairement, tu sais, de la... Tu sais, il y avait du sucre, non, non. Mais là, ils ont transformé la recette. Oui. C'est fait avec des vrais fruits. C'est complètement différent. Puis c'est comme un retour en enfance. Fait que là, je capote. Ima, parlez-lui des couleurs. Puis là, ben je capote bien raide. En plus, les couleurs me fascinent. C'est incroyable. Et en plus de ça, ben tu vas quand même continuer à faire des spectacles. Le 13 septembre, même, tu t'en vas en Turquie. Oui, oh, oui, mais attends, là, il y a plein de nouvelles couleurs. Il y en a des rouges, des verts, des jaunes, des bleus. C'est comme un arc-en-ciel. Mais quand je les croque, le son que ça fait, ça m'inspire, c'est capoté. Je sais, ça fait un... Bon, ils ont vraiment choisi la meilleure porte-parole parce qu'il n'y a personne qui m'a parlé des céréales pendant 10 minutes de même. Mais c'est parce que c'est brillant, c'est extraordinaire. Tu me sens en onde! Sortez vos boîtes de céréales maintenant. On va faire du montage. Attends. Voyons! Pour de vrai, c'est capoté. Good.
C'est vrai que ça croque, hein? Avoue que ça rappelle ton enfance. Mais tellement. Mais comme avec un goût contemporain. Oh my God! Alors, pour plus de détails, vous pouvez aller faire un tour sur ima.mu. Alors attention, Ima, dormez. Ima? Oh, tabarnak! Bonjour, Isabelle. C'est une joke, c'est Mesmer! Oui. J'ai jamais été aussi contente de revoir. J'ai dit, ça y est, t'es en train de freaker sur moi. Alors, Ima, concentrez-vous sur ma voix. Je vais vous éveiller, vous ramener au conscient. Vous allez être fiers de vous. Vous allez vous souvenir de tout dans les moindres détails. Un, deux, trois, Ima, réveillez-vous. On revient. On se sent merveilleusement. Ça sent le... Ça m'a fait halluciner, tu revenais ses couleurs. J'étais comme observatrice de moi, puis j'étais là, aïe, elle va vraiment dire, ben capoter. OK, j'étais pas folle. Hey, je me sentais stone. Oui, hein, on le voyait à la caméra. Oh my God! Merci. Merci d'avoir vécu l'expérience. Et vous étiez ma victime aujourd'hui, vous avez été piégée. Oui, ça va, moi, je vais aller manger avec ça dans les soupers. C'est super bon. C'est vraiment fly. Moi, depuis tantôt, j'observe ça, là, puis je... Tu sais, quand je suis arrivée à l'entrevue, j'arrivais du Japon, tu sais, j'avais un petit feeling jet lag. Puis là, quand ils m'ont endormi, là, j'étais comme pas là, mais j'étais là. Tu sais, je suis quand même... Je pense que j'ai gardé le contrôle de l'entrevue. Impressionnante. Mais tout le long, je me disais, dès que ça termine, là, je parle à son agent, il faut la rentrer à l'hôpital, elle a besoin d'être soignée. Là. Moi, j'avais tout ça en tête. Puis je me disais, ça se peut pas, là, ce que je suis en train de vivre. On a eu un très bon complice sous hypnose à son issue. Merci, Ima. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci.